En décembre 2021, la médiathèque départementale du Morbihan a organisé une journée professionnelle sur le thème de l'éveil artistique et culturel du tout petit. Elle accueillait à la fois des bibliothécaires et des professionnels de la petite enfance. Les objectifs de cette journée étaient multiples. Sensibiliser aux spécificités du très jeune public, faire comprendre l'enjeu fort de l'éducation artistique et culturelle en termes de développement cognitif et émotionnel, et préciser le rôle des partenariats dans les actions à mener. Au programme des conférences, des échanges, des ateliers pour co-construire des actions pour ce public aux besoins bien spécifiques. Le langage est inscrit dans notre patrimoine neurologique. Et c'est la capacité qu'a l'être humain à apprendre la langue ou les langues que la communauté linguistique utilise là où il naît. Aucune communauté linguistique a trouvé nécessaire de donner des cours spécifiques à un bébé pour qu'il apprenne à parler. Tout ce qu'il faut, c'est éveiller. La langue et la culture sont indissociables. La langue orale contient la culture. C'est parce qu'il la contient qu'il peut la transmettre. Mais alors, il y a une opération extrêmement importante qui s'est construite durant cette période-là. On a utilisé le mot de lien. Le bébé humain va lier tout à la personne qui s'occupe de lui ou aux personnes qui s'occupent de lui. Et comme ça, crée que pour moi, c'est une opération fondamentale, la représentation symbolique de l'autre. Sans cette opération-là, sans l'éveil de cette opération-là, aucun développement serait possible chez l'humain. Voilà, c'est ça le travail qu'il faut faire avec la petite enfance. Raconter des histoires, lire des textes de haute qualité, littéraires, poétiques. Le bébé a besoin de lait pour satisfaire ses besoins biologiques. Il a besoin de caresses, beaucoup de caresses pour satisfaire ses besoins affectifs. Il a besoin de beaucoup, beaucoup de langage pour entrer dans la langue orale. La culture, c'est ce qu'on partage, c'est ce qu'on identifie comme étant le même. Et donc la culture, ça nous rassemble et l'art, ça nous singularise. La question qui se pose entre finalement l'art, la culture, l'enfant, en tout cas entre l'art et l'enfant, pourquoi on peut mettre les deux? Et ça vient toujours nous questionner parce que l'art, il y a quand même toujours cette question d'un savoir-faire quand même. Et le tout petit, on ne va pas lui apprendre. Donc, qu'est-ce que c'est que ce lien? À quel endroit on va rencontrer le tout petit avec l'art, en fait, hein? C'est autour de ce lien avec l'enfant, où ça nous demande d'oser aller le rejoindre.